C'est toujours un très grand plaisir de venir saluer mon aîné. Ce sont des visites régulières que je lui fais pour lui faire le point de la situation sociopolitique, mais également la situation économique. Et nous avons échangé sur tous ces chapitres pour constater que la Côte d'Ivoire est en paix, le pays avance, l'économie est prospère. Donc de plus en plus, nos concitoyens commencent à sentir les effets des politiques économiques et financières qui sont mises en place. Et maintenant, il faut travailler sur l'avenir. Donc nous avons parlé de l'avenir, bien évidemment, du prochain congrès du PDCI-RDA, du congrès d'investiture RHDP me concernant, et également des relations avec l'opposition, parce que nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire pour tous, une Côte d'Ivoire où véritablement le rassemblement devient une réalité. Et en cela, nous avons dit que la victoire des éléphants a été une grande contribution à cet élan de solidarité. C'est un événement qui nous a donné beaucoup d'enjaillement, n'est-ce pas, monsieur le président? Donc on est tous très heureux. Les éléphants, ces jeunes, nous ont permis donc de retrouver beaucoup de joie. Et nous souhaitons que cela puisse être un catalyseur pour que le pays continue d'avancer dans la paix et dans la concorde. Je voudrais féliciter le président pour revenir sur l'appel de Daoukro. C'est un document important pour chacun de nous. Il a eu l'amabilité de dire qu'il dédiait ce livre à son jeune frère, le président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur. Donc, président, grand merci. Grand merci pour ce livre. Merci, président. Voilà, merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci.